Effectivement, les fintech, le sport, les enfants, c'est l'énergie de la vie, c'est l'énergie de l'envie et c'est ce qui fait que cette soirée est formidable. Alors, il se trouve que le Maillot pour la vie est une association que je connais depuis une dizaine d'années. Je pense que l'idée d'avoir une soirée caritative très importante, ça permet de fêter tout en aidant une cause qui semble quand même extrêmement positive. C'est vraiment une super initiative effectivement de réunir des banquiers, des financiers et puis finalement de faire toute l'organisation autour de cette association caritative, autour du sport, autour de l'aide aux enfants malades. Je trouve que c'est un super symbole. Je suis très content d'être là, je suis très content de payer des maillots pour une œuvre qui me semble super sympa. Et en plus, à titre personnel, le maillot de Deschamps en 93, ce France-Autriche, j'y étais, au Parc des Princes, avec un neveu qui à l'époque devait avoir 6-7 ans. J'ai l'impression que les gens ont pris du plaisir. En prenant du plaisir, ils ont fait plaisir. Puis ce soir, ils sont repartis en faisant un don avec quelques beaux objets. Je remercie le pôle finance innovation puisque nous avons des liens très étroits depuis pas mal d'années. Un maillot pour la vie, je connais cette association depuis au moins 15 ans. Je l'ai toujours suivi. Et ce qui me plaît, c'est qu'il y a 7000 sportifs, quand même, qui rentrent dans 33 hôpitaux en France pour égayer la vie des enfants malades. Et moi, je trouve ça magique. Une belle énergie, une magnifique ambiance et surtout une envie de chacun de donner pour les enfants et de démontrer que la fintech, la finance, l'innovation, c'est toujours avec un engagement sociétal qui est au cœur de tout ce que nous faisons et ça, c'est magnifique, formidable.